On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok, en vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Revelio. De montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Revelio. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Thank you.
Revelio. 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 Faites bien attention au corps. Revelio. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action ! Tu vas y arriver ! Action ! Incendio ! Très bon travail ! Yeah.
comme ça. Action. Incendio. Les chaussons. Action. Incendio. Bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre, celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux, ajoute Magic. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de Joute Magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Non, en solo. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Insane. Stupéfiant. Les glaçons. Action. Protégant. Stupéfiant. Insane. Les glaçons. Incendio. Stupéfiant. Action. Leviosa. Protego. Stupéfiant. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Stupéfiant. Action. Protego. Stupéfiant. Incendio. Leviosa. Action. Stupéfiant. Incendio. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Je suis bien fait de ne pas parier sur cette manche. Oh. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi. Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Tu es invincible, en fait. J'imagine que je ne faisais pas le poids. Battu par la nouvelle recrue ? Je ne l'avais pas vu venir.
Revelio. 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 J'adore les autres. Ils ne partagent pas. Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Lumos. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me le dire. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Je crois que j'irai faire une bande de... Revelio. Résoudre sous peu l'énigme du tableau vide. Tu as vu la volière, Jessam? Revelio. Au balai, magasin. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Lumos ! Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Je commence à peine à repérer dans le château. Un escalier bouge et je suis de nouveau. Quelqu'un m'a prêté un livre sur la configuration.
Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Comment ? Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lenora. C'est une plaisanterie, j'espère. Tu aurais dû le déduire toute seule. Non mais quelle audace ! Surtout qu'en premier lieu, c'est moi qui t'ai parlé de cette énigme. C'est fou ! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas... Incendio ! Ensuite, Imelda, la madame je sais tout qui énerve tout le monde à la concurrence. C'était en quel honneur ? Incendio. Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que, quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ça va un peu loin, simplement pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi ? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Je devrais pouvoir t'aider. Si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer... Je l'ai. Plus que 4. Revelio. Axio. Revelio. Peut-être tout aussi magique que n'importe quel sortilège.
Revelio. 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 Lecture peut-être tout aussi Rébellion. Magique que n'importe quel sortilège. Revelio. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Une récompense s'impose, à moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Oh, je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Moi non plus, je n'aurais pas cru ça de toi. Au vu de ton journal, tu sembles très prompte à critiquer les autres. Très bien, je vais te payer. Mais tu n'as pas l'ombre d'une idée de ce que je vais écrire sur toi. J'aurais pas dû lui faire confiance.
J'ai pris l'habitude de résider dans notre dortoir. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. C'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Accio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde! Réveillon. La tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie,
Il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés avec des roses? Les propriétés régénérantes du Dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Char. Travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. N'oubliez pas, une baguette magique n'est pas une truelle. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hecate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Nous y sommes, le royaume du chou mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces gentils klaxonnants. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment? Je veux dire, bien sûr. Il ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Et
voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle. Revelio. Revelio. J'aurais pas dû lui faire confiance. Revelio. Qu'il y avait aussi. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Sur le bureau du professeur Sharp, je parie qu'il en sait plus qu'il ne le laisse croire sur la révolte des gobelins. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar,
Pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Les sorcières et... Revelio! Votre table de potions doit rester propre et bien rangée. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point.
J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiganweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci, je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiganweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portail vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt. Les potions, tout comme les crêpes, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est pas la barbe de mes mains. Que s'est-il passé? Ma potion Wiganweld est un vrai désastre. Oui, monsieur Weasley. Le professeur... Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois, Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. La potion Wiganweld n'est pas une panacée et aucun onguent ne saurait remplacer le bon sens. L'art de la préparation des potions et exige une grande précision. Revelio. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « N'assumer la responsabilité ». Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti.
Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Revelio.
J'ai vraiment dépassé les bornes. Incendio! En route pour de nouvelles aventures ? Revelio.
Revelio. Revelio. Lumos.
Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Réveillon. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Lumos.
Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrok iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrok et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrok n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrok n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Les fidèles de Ranrok vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrok est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrok pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Kampolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais des deux Kampolar, nous sommes les meilleurs. En fait, Kampolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. Qu'avez-vous en boutique ? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Revelio. Après ce que Ranrok a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn.
Quel plaisir de vous revoir. Quelqu'un s'en prend à moi, je l'enverrai six pieds sous terre. Lumos. Protego, stupéfie. Il n'y a rien à braconner à Arancher. À part éventuellement des araignées, mais ça n'en vaut pas la peine. Les pattes sont trop fragiles. Incendio!
Incendio. 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 Cet endroit a connu des jours meilleurs. Rébellion. Incendio. Leviosa. Axio. Incendio. Rébellion.
Incendio! Tu fais des efforts. Il n'y a rien ici non plus. Chacun son chemin. Incendio. Il y a quelqu'un. Lumos. Cette fois, tu commences à m'agacer. Incendio. Tu as ce qu'il faut. Incendio. Oh, c'était satisfaisant. Réveillons.